salue le chef indien. Je viens pour le festival, je vois le pasteur Farel. Bienvenue, Père Charles. Que le Seigneur bénisse, bénisse avec vous. Que le Seigneur bénisse beaucoup, Frère Kesmino et tout le monde. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Je prie pour croire que vous allez bien. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre la Bible ce soir. Nous allons prendre la Bible dans Jérémie chapitre 35. Jérémie 35. Et nous allons lire à partir du 18e verset. Mais vous allez commencer à lire par la maison comme une étude biblique. À partir du verset 1er. Moi, je lirai le verset 18. Et vous lirez à partir du 1er verset jusqu'au 19e verset. D'accord? Merci. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit. Et Jérémie dit à la maison de Récabit. Ainsi parle l'Éternel des armées du Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonabas, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous apprécie. Jérémie 18, 35 à partir du 18e verset. Jérémie, vous m'avez dit, état, le verset, vous m'avez dit. Et Jérémie dit à la maison de Récabit. Jérémie, on te plaint de Récabit. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonabat, votre père. Parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonabat, fils de Récab, ne manquera jamais des descendants qui se tiennent en ma présence. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est une joie pour nous de nous retrouver ici à Mwanda. Alors que Père, le monde est en train de bouger, mais toi, tu ramènes tes enfants pour écouter ta voix. Soutiens mon Seigneur Jésus. Et que chacun soit récompensé pour tous les efforts qu'il cesse de se fournir. Pour que Dieu soit avec nous, Seigneur, dans la création, dans l'inspiration, et soit une grande bénédiction pour le peuple. Alors que nous remettons notre rôle. Ceux qui sont ici et ceux qui sont absents, qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus-Christ. S'il y a des malades, qu'ils soient guéris. S'il y a des poussées, qu'ils soient désenvolvés au nom du Seigneur Jésus. Et accompagne-nous au nom de Jésus-Christ. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Et soutiens-nous. Dans le tout puissant de Jésus. On vous met par Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu à l'église ce soir. Et je vous acclame pour votre persévérance. Amen. Je voudrais commencer des enseignements. Alors, des grands enseignements. Et ici, sur ce que nous croyons. Amen.
Nous sommes venus dans le message. C'est pour aller dans l'enlèvement. Nous ne sommes pas venus dans le message au hasard comme si on partait dans n'importe quelle église. C'est pourquoi nous appelons ça message. C'est quelque chose de très particulier. Donc à qui là, au roi. Dieu du ciel, créateur de toutes choses, est descendu sur la rivière Ayo dans une grande nuit de gloire. Et Dieu a parlé à un homme, William Marion Branham. Dieu a dit à Branham, comme je envoyais Jean-Baptiste avec un message pour préparer ma première venue. Ce sont les propres mots de Dieu. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et je vous ai dit ici que la seconde venue était un processus qui va jusqu'à l'enlèvement, à la disparition physique de l'épouse. Tout comme notre époux, le Seigneur Jésus, a clôturé la première venue, on a prévu, on a cherché et on a prévu. Nous, l'épouse de Jésus-Christ, nous allons clôturer le processus de la seconde venue. On va le chercher et on ne le trouvera pas. Si vous croyez à cela, dites Amen. Alors, toutes ces choses qui nous donnent la capacité de quitter la terre, nous devons les connaître. Si notre manière de comprendre la seconde venue, la résurrection, le changement, la translation, même la disparition que nous appelons l'enlèvement, si cela est comparable à la dénomination, ça veut dire que nous ne sommes pas dans le message. Tu crois au prophète, mais tu ne crois pas au prophète.
prêche. Si vous croyez à un homme et que vous ne croyez pas ce qu'il prêche, quittez l'église. Ça va aller très haut là. Dites amen. Le feu est touché dans son cœur. Il a dit, ça ne peut pas se faire. Comment tu viens à l'église? Tu soutiens l'église par tes dîmes. Tu soutiens l'église par tes besoins. Par ta présence, tu ne crois pas ce qu'on prêche. Il est allé voir Frère Branham. Le Frère Branham, en tout cas, je viens vous voir, non pour accuser le frère, mais il y a quelque chose qui me dérange. J'ai eu à discuter, à changer le point de vue doctrinal avec un frère de l'église et sa femme. Ce frère n'a pas la semence de cet homme. Et ça me fait très mal. Frère Branham vient vers le frère. Il dit, ne vous découragez pas. Soyez forts. Et continuez à croire ce que tu crois. Parce que c'est le Dieu qui a révélé à Daniel les secrets du roi. Qui m'a donné la révélation de la science de cet homme. Pour ce frère, ne t'occupe plus de lui. Le frère que tu vois là, c'est un frère de l'âge Wesley. Il a chevauché simplement juste dans cet âge. C'est pourquoi, comme il n'est pas de ce jour, les choses que nous prêchons, il ne peut pas croire ça. Parce que l'âge est passé. Et nous ne voulons pas. Dans le message de Frère Branham, les gens de l'âge pentecôtistes. Parce que Frère Branham dit qu'il avait reçu la fête des trompettes par an 274. Il dit Élie, Élie, pour faire sortir Israël de tradition judaïque. Des sacrifices, des agneaux, des poignées, toutes ces choses. Pour les amener à la véritable inspiration, Christ, la parole. Si vous croyez que vous êtes dit à il appellera l'épouse. Le pentecôtiste. Il n'a rien à voir avec le pentecôtiste. Mais il appellera l'épouse à sortir le tradition pentecôtiste et le tradition du monde. Afin de se retourner vers la véritable expiation. Christ, la parole, cherche ici, au milieu de nous. Frère Branham appelle l'épouse à sortir de tradition par le côté. À se tourner vers la véritable inspiration. La parole va acheter la vraie inspiration. Qui ôte le péché? Qui enlève le pardon le péché? Qui pardonne le champ? C'est le sang de Jésus. Mais de Dieu la parole. Qu'il ne s'agit pas du sang physique. Parce que le sang de Jésus n'est pas un sang physique. Ça ne peut pas être gardé. Ça fait aujourd'hui 4 000 ans. 4 000 ans. Ça va
Il se peut qu'il y a parmi nous quelques étrangers. Amen, Zachary.
Mais je ne connais pas. Je ne suis pas au tabernacle assez souvent. Je ne suis pas au plein évangile ici à Manda assez souvent. Pour connaître ceux qui sont membres de cette église ou pas. Mais j'ai annoncé que cette étude était seulement pour nous, les membres de l'église. Parce que dehors, les gens ont tant de doctrines différentes. Bien, c'est là. Ils croient ces choses-là. On leur a enseigné qu'ils devaient le croire. Et alors, quand ils viennent éventuellement dans une autre assemblée, et qu'on enseigne quelque chose d'extrêmement contraire, alors ils pensent, oh, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voyez? Bien, nous ne voulons rigoler. Nous ne blesser personne. La raison pour laquelle nous faisons cela, maintenant vous croyez ce que vous voulez. Mais nous sommes, je veux placer ce que j'ai à dire. Et je veux le dire avec force. Parce que nous devons mettre les choses bien au point. Voici ce que le tabernacle du plein évangile croit. C'est pourquoi nous prenons position. Dis Amen. Et de cette manière, nous espérons que vous ne vous sentirez pas offensés. Et que vous ne croirez pas que nous voulons vous blesser dans ce que vous croyez ou quoi que ce soit de semblable. Absolument pas. Et voici, nous recommençons ça tous les deux ou tous les trois ans ici. Donc, on prend l'âme tabernacle, c'est qu'on a prêché ce qu'il croit à son église après deux ou trois ans. Il revenait sur les enseignements de base. Parce que le Christ ne peut pas continuer à le faire comme ça sans connaître ce qu'il croit. Vous devez connaître ce que vous croyez. On est chrétien. On est dans le message. Est-ce que nous croyons? On croit le message. Vous croyez le message? Ah bon? Non, moi. Oh, dans le message, il y a un message. Du septième ange fera toutes choses. Le message du septième ange fera toutes choses. Premièrement, il ramènera la foi de Jean à la foi de Pierre. Et deuxièmement, il révélera le mystère caché de la Bible. Le cœur des enfants à au père, et vous faites répéter, il n'y a pas de vie. Et je veux dire aujourd'hui, ça c'est depuis 1947. Juste en 1963, cette partie, première partie du ministère. C'est ça le temps d'histoire. Je veux l'examen. Mais à partir de ce temps-là, est-ce que l'ange puissant est descendu? L'église devient
ça le message qui doit donner aux gens la foi du départ. Lors de sa première, de son étape première de son ministère, a prêché ces choses qui doivent donner la foi de l'enlèvement après le verbe de ça. La marque de la bête, comme la sémence du serpent. Beaucoup de choses qu'il a prêché. Et lorsqu'on arrive en 62, maintenant, on est en train de citer les mystères qui pourraient être révélés par le Seigneur. Et après 62, maintenant, c'est le lever du soleil. Ok, c'est parce qu'il est prêt à croire. Ok, voilà ce que je dis. De 47 à 63, c'est le messager. Il prêche. Voici le
Il a dit, mais quand nous sommes revenus,
Nous avons trouvé l'église un peu sens dessus, sens dessous ici. Et là, certains membres avaient commencé à se refroidir un peu, à s'éloigner et entretenir entre eux des petites animosités. Et d'autres choses semblables. Ils ne se parlaient plus. Il n'y avait plus de discussion. On ne se disait plus bonjour. Ça, c'est au grand Kabela. Et Franck a dit, je suis allé de l'un à l'autre jusqu'à ce que ça soit tous mis en ordre. Tout va bien. Vous voyez? Et il n'y a rien de faux. Il n'a rien qui n'allait pas chez aucun des membres. Ils sont tous des braves hommes et des braves femmes. S'ils pouvaient seulement se rendre compte que tout cela c'est le diable qui s'est glissé parmi elles. C'est lui qui s'est glissé. C'est lui qui a mené le dessus. C'est lui qui a mené les incompréhensions. C'est lui qui a mené le problème. Ça m'a dit en soi, ce n'est pas les frères ni les sœurs. C'est le diable qui est entré. Le diable n'est pas là où il y a la paix. Le diable n'est pas là où il y a la paix. Quand il voit les frères et les frères ne se parlent pas, les soeurs et les soeurs ne se parlent pas, les soeurs et les frères ne se critiquent pas, le diable est content, il dit que je les ai eus. Connaître le Saint-Esprit ne peut pas opérer là où il y a des disputes. C'est pas rien. Pour affaiblir les croyants. Oh, Père de Dieu, dis ta main. C'est exactement ça. Ce ne sont pas les gens. Si vous pouvez amener un frère à voir ça, de sang pur. Il ne peut pas garder dans son cœur un problème contre un frère. Peu importe ce que le frère a fait, si vous êtes chrétien de sang pur, que c'est le frère qui a blessé. Que cela parle mal de toi, si tu es un frère chrétien de sang pur, tu pardonneras la chose. De tout ton mieux pour que les rancunes n'existent pas entre toi et un membre de l'église. Il n'y a pas la main. Il fait la coutume. Alors, il ne peut pas garder l'animosité contre le maître. Il se sentira mal à l'aise et se dira, et Dieu sait, je suis navré pour mon frère. Voyez-vous? Il a effectivement fait quelque chose de mal. Et bien, ce n'est pas le frère. C'est le diable qui l'a fait dans le frère. Vous dites que bien, ce temps-là a fait quelque chose. Ce n'est pas votre frère qui a fait cela. Ce n'est pas votre frère qui a fait cela. C'est le diable qui est entré en lui qui l'a fait. Aussi, ne blâmez pas le frère ou la soeur. Blâmez le diable. C'est lui qui en est la cause. Et maintenant, ainsi et ainsi maintenant, dans
Il se peut qu'elle vous apparaisse très étrange. Très étrange. Elle peut-être que vous ne serez pas d'accord du tout avec elle. Mais nous, c'est ce que nous croyons. C'est votre
responsabilité de venir vers moi au bureau que l'on s'enseigne le combat. Je dis, oh, le pasteur, on croit comme ça. Oh, le pasteur, on croit comme ça. Ça serait péril. Vous avez les arguments. Vous me mettez pour le bureau. On va s'asseoir. Et nous parlerons. Une fois que solide. Ne m'en allez pas les deux citations de la Odyssée. On peut y aller? Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Apocalypse chapitre 5, Verset 61. Paragraphe 65. Paragraphe 65. Vous aimez votre prophète? Maintenant, à mes amis qui sont à divers endroits au monde. Et qui entendront ceci sur bande magnétique. Et ici, je dirais que je dois apporter des doctrines. Et tout. Pour entreprendre ceci. Et comprendre qu'il n'a pas de prime, n'a pas de ministère. Toi, avoir des principes. Toutes les églises du plein évangile, toi, avoir des principes qu'on croit. Bon, il se peut aussi que ceux que nous croyons, quelque part là-bas, il y a aussi un autre frère qui croit de la même manière que nous. Alors, quand on se rencontre, on dit voilà vraiment les frères. Vous ne pouvez pas conduire le peuple sans révélation. Sinon, le ministère va tarir. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs du message dont le ministère a tari. Ils n'ont plus bien à prêcher. Ils commencent à mener les gens à ramener sur la main les pentes à la chair. Mais on ne peut pas le prendre tous les jours. Il vivra le
Et quand il vous dit que verser de l'eau
vérité au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la vérité. C'est un mensonge. Et si le coup dit que le temps des miracles est passé, il vous a dit un mensonge. Si le coup dit, c'est très bien pour les femmes de pécher, il vous a dit un mensonge. Si le coup dit, c'est très bien pour vous de continuer à vous accrocher à votre dénomination, il vous a dit un mensonge. Cela ne clientera pas sur les rues du monde. Amen. Et si vous dites des douzaines de choses qui ont été introduites dans cette vieille, par cette vieille mère prostituée, dans l'église catholique, si vous répétez ça, il vous a dit un mensonge. Amen. Amen. Galates, chapitre 1, verset 8. Mais pasteur, tu n'as pas commencé. Pasteur, on a aucune banane. Comment ça? Tu penses que la circoncision, c'est une petite chose? Hein? Si vous la faites vite, vous allez tuer quelqu'un. Hein? L'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit. Galates, chapitre 1, verset 8. Galates, chapitre 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, nous les apôtres, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit en appel. Paul était trop sûr de choses qu'il a prêché. Comme la main d'attirer. Comme venant de Dieu. Et l'apôtre Paul dit même nous-mêmes les apôtres. C'est plus les apôtres. Après avoir prêché ceci, nous revenons pour rédiger. Même un ange venant du ciel pour contredire ce que nous avons prêché. Parce que Paul croyait que ce qu'il prêchait était la vérité absolue. Je ne crois pas qu'il puisse pour avoir la tête dans mon sujet. Non, mais la voix de Dieu, on va mener à la tête. Vraiment, je vais prêcher. Vraiment, on va te parler. Et beaucoup de gens sont partis de l'autre côté. Vous n'avez pas, aïe, lorsque le frère Manuel est arrivé là-bas, les gens qui sont partis là-bas, ils sont venus à la rencontre de Frère Branham. Ils sont dit à Frère Branham, nous nous reportons sur ce que tu as prêché. Même après avoir quitté la terre, il a gagné, mais ça la vie éternelle. Il continue à se reposer sur ce que le prophète a prêché. C'est pourquoi ce message, je ne lâcherai pas ça. Si quelque chose est confirmé par la Bible et par le prophète, je dirai Amen. Que Dieu nous a dit. Même si tout le monde dans le plein évangile ne croit pas, c'est que la chose est dans le prophète. Dans le message, et dans la Bible, je pourrais être. Je ferai un effort de faire croire ça à mon épouse. Et je fais croire ça à mes enfants. Si le Seigneur ne veut pas croire, même si ma mort est à je sais, mais il y a eu. Je vais être ici. Non, 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 non,
Les rétablites n'étaient pas des juifs. Non. Les rétablites, c'est pas des étrangers. En d'autres termes, c'était des païens. C'était un peuple étranger par rapport à l'Israël. Des étrangers. Vous savez, leur père, leur papa s'appelait Jonabas. Et leur grand-père s'appelait Reka. Ce n'est pas Regard. Mama, that's the number one man, my friend, Jesus.
vous allez seulement bâtir des temples. Lorsqu'il y a le désordre, vous avez le temple à des autres parties. Troisièmement, nous ne plantons pas de semences. Et on ne plante pas de fruits. Ça non. Ne fais pas ça. Quelle belle histoire. Et quatrièmement, vous les récapitez, vous ne boirez jamais du vin. Les récapitants ne boivent pas. Ah, les récapitants, on va. Aïe, 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 je ne sais pas si elle récapite ici. Oui, ah, ça, les récapitants, vous venez. Vous, les récapitants, les mains à récapit, vous les enfants de l'État, des balles à récap, vous ne boirez pas. Mais gardez-moi. Est-ce que mon fils, tu as compris? Ah, mon amour, oui, moi. Papa, j'ai bien compris. Enseigne ça à tes enfants et que tes enfants enseignent aux enfants, même les filles, même les femmes, même les hommes. Tout le monde doit connaître les récapites. Ne fais pas ça. Les récapites ne fait pas ça. Un récapite ne boit pas. Un récapite ne fait pas ça. Il s'appelle la banane, on n'a pas la banane. Pour que vous un récapite, on a un récapite. On s'est dit, un récapite, on s'est dit. Il y a des choses que les récapites ne font pas. Amen. Là, on dit, ma récapite, ma bisota. Est-ce que tu as compris, mon fils? Oui, moi, je vais même moi-même. C'est compris. Mais moi, je vois. Les cas de parti. Les cas, vous voyez. Je n'ai pas régressé. Je n'ai pas aussi. Il a eu des fils. Je vais se battre. Il a eu des filles. Je vais se battre. Ses enfants sont mariés. Ils ont formé tout un grand groupe de gens en Israël, s'il vous plaît. Israël. Et chaque fois, Jonabat appelait ses enfants. Chacun amenait sa famille. Vous ne pouvez pas autour de l'ancien. Jérémie,
Jérémie, mon fils. Dis Jérémie, mon ami. Mon serviteur. Prépare ta chambre en mission. Dis qu'à terre, tu m'envoies ta dame. Tu m'envoies en mission. Moi, tu m'envoies en mission. Je t'envoie en mission. Mais tu m'envoies ta dame. Yeah.
ça là, de sauter, sauter, nous on a enlevé le message. Fou dans la pirogue, le monde à la nouvelle dans mon corps.
pas écouter toutes les distractions. Non, c'est qui là? On a un petit peu de et tous les autres qui n'ont pas de on cherche à vous asseoir parce que le message ne vient pas. Combien de fois? Combien de
n'y a pas d'église. Et la personne qui se charge de pécher doit lui-même être un être ouvert. Il doit avoir une véritable expérience du baptême du Saint-Esprit. Pas dans la pensée, mais dans le cœur. C'est pourquoi Dieu a choisi Josué à la quatrième génération. Le prêtre
il me prend les chaussures là, il a mis vraiment la chaussure là. D'abord, les affaires, le monde me l'a accordé. Le pied non coupé. Il l'a dit. Nous voulons un Dieu qui peut confondre les médecins. C'est sorti là, c'est lui qui a la plaie due au sucre de ce cicatrice. Vous l'avez dans tous les moments. Le corps à côté de quoi on va faire ça. À côté de quoi on va la main. La plaie. Ça, c'est ce qu'on appelle le plaie de l'Essar. Le plaie de l'Essar. Mais il y a ici un homme qui peut faire ça. Dieu fera. Pour moi, Dieu ne fera pas. Dieu fait. Jamais le sac. Jamais le sac. Jamais le sac. Les
Dieu au temps présent. Amen. Si vous croyez cela, dites amen. Certainement, ma vous croyez Christ.
Vous croyez le Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Me le voir. Mais lorsque un homme vient, vers vous, il vous dit quelque chose. C'est difficile à croire. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non. Frère, c'est là le problème. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas. C'est la raison pour laquelle parfois votre pasteur, lorsque votre pasteur vient vers vous, la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider, vous devez avoir foi en votre pasteur. Frère Madame a dit ceci. Frère Madame a abandonné. Au fond de la page, si je vais vous donner la brochure, il y avait un frère. Frère Madame a pu mettre dans la brochure. Le diable cherchait à tuer. Dis-moi le mot qui, on le a fait autrement. La brochure tournait les regards vers Jésus. Frère Madame a appelé Jésus. Il dit un frère que le diable cherchait partout pour tuer. Frère Madame a appelé Jésus. Mais le diable n'arrivait pas à mettre les sur ce frère. Moi, on l'a donné pour un autre année. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Moi, on l'a fait. Le diable est venu mettre les doutes dans le cœur du frère pour le frère. On lui a dit d'aller faire une sortie manière. Et dès que le frère a commencé à mettre les doutes sur le frère. Comment ce frère-là commence à devenir fou. Et frère Branham a prié pour ce frère. Oh, les gens qui étaient dans l'entourage, les frères, les soeurs qui étaient là ne savaient pas ça. Frère Branham est venu révéler le pourquoi ce frère-là est tombé malade. Parce que le diable l'a réclamé. Et pour la fois, comme il était dans la sécurité du pasteur. Il était dans la couverture spirituelle du pasteur. Le temps ne pouvait pas croire. Il faut le faire sortir de la couverture spirituelle afin de le frapper. Et je parle à vous qui m'écoutez. Oui. Si parmi vous, si il y a quelqu'un dans son cœur, vous le demandez. Il y a un problème qui passe au cerveau. Il y a la tête à partir du cerveau. Avouez la chose. Compris de toi que Dieu puisse vous protéger. Sinon, l'ennemi va vous avoir. Vous attendez. Vous avez le moment là, on le remarque là. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la vérité. Amen, amen, ma tata. Je ne suis pas suivi des lettres méchantes, des SMS méchants. Ça, c'est le diable qui vous envoie. Mais ce que je parle maintenant, allez, ça, mon monde a connu. Vous allez à comprendre. Amen, la mort de moi. Une prépu n'a pas de défense. C'est pourquoi le péché a le pardon. Et ça prend un billet. Vous ne pouvez pas dire que vous-même sans un conducteur. Répondez. C'est vous qui oubliez. Mais le seul ici n'oublie pas. Humiliez-vous. Peut-être que vous faites exposition. Revenez dans la belle du maître. Et vous verrez comment le Seigneur vous bénira. Non, on va venir jamais à l'heure. Vous êtes en train d'hypothéquer votre propre bénédiction parce que vous êtes sincère avec le pasteur. On va pas dire que vous allez venir parce que vous avez le pasteur. Le pasteur est votre berger. Pasteur quoi? Vous l'avez dit. Le Dieu, avant de tenir le prêtre, selon sa nom.
bien en elle. En elle. You are a pastor. Après le pasteur. La pasteur. Dieu vous bénira. Amen. J'avais cette église. Église, église. Ne sera jamais divisée. On ne voit pas ton. C'est que je puis c'est la vérité. Amen. Et je parlais au plein de l'évangile ce soir. Soyons soulevés. On est avec quelqu'un pour lui, on en tous. Et nous la tous. Et vous faites comment Dieu vous bénira. Amen. Je vais amen. Et ne pensez pas les actes. Allez, c'est ma mère. Gamelez le frère à vous critiquer. Vous pouvez aller votre travail. Un chrétien. Un chrétien. Ne peut jamais être le pire de chaque fois pour quelqu'un d'autre. Veillez sur votre comportement. Veillez sur votre jugement. Veillez sur votre manière de parler. Nous ne sommes pas là pour soutenir un homme. Nous sommes là pour soutenir la parole. Et la parole dans tous les âges que l'on a dans un homme. Puis, juste pour être. Vous n'avez pas foi en lui. Non, mais avec quoi on y va. Vous devez pas qu'il est un homme de Dieu. On veut les aller, même pour les diables. Envoyez Dieu pour faire ces choses pour nous. Et vraiment, continue dans la bouche, je suis la résurrection et la vie. Le bâle me dit, ne pas vous chier dans les tours. Au paragraphe, il y a un petit peu de travail. Même plus tard, si c'était vous, aussi, vous envoyez chercher votre pasteur et qu'il venait pour vous dire. Si vous allez à ça, pasteur, nous il a déjà gagné. Et que le pasteur ne vient pas. Le pasteur, oui. Tu vas bouger. Alléluia. Ouais, je vais Marie a envoyé quelqu'un pour aller chercher Jésus par le Nazaréen. Vraiment. Et Jésus-Christ est venu après l'enterrement. Jésus-Christ aille à ma loi. Et puis quand Jésus m'a mangé dans la maison de Marie. Et bien, je vais dire autant que Marie de Marie. Mais Marie n'a pas bougé. Si c'était toi, tu commencerais à dire, je paye ma dîme, il ne vient pas, il est hypocrite comme ça. Je paye ma dîme, le pasteur n'est pas venu, c'est un hypocrite. Mais on a dit, maman, parce qu'on a dit, maman, pour l'autre. Frère Bala dit, paragraphe 49. Frère Bala, toi, tu as paragraphe. Maintenant, vous devez donc avoir confiance. Ceci, c'est la maison du jugement. Il faut nous voir pas. C'est la maison de Dieu où Dieu descend et prononce son jugement. Votre pasteur est censé être un homme juste. L'Assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. L'Assemblée est censée être avec le pasteur. Je n'ai pas entendu. C'est lui qui n'est pas attaché avec le pasteur. Pour d'ailleurs, pour notre on se rend le pasteur. Que je suis. Brélimébo. À 100%. Au China. C'est par la personne là que Dieu ne va passer. Vous le voyez là, on va plus loin. Et le Dieu me connaît ici qui est déjà passé à 100% et qui ne passe à 100%. C'est pourquoi quand il y a le problème dans les dames, il y a le problème dans les églises, c'est la personne qui est attachée au pasteur, c'est par lui que le Dieu passe. Et les histoires commencent. Ah, oui. Les problèmes commencent. Ah, oui. Pourquoi on a... Il n'est pas attaché. Il n'est pas attaché. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il s'accroche. Il n'est pas seul. Mais avec beaucoup de réserve. Il n'est pas seul. Diable vous a eu. On ne l'a pas seul. Et le diable passera par quoi pour le créer le problème. Non, le diable est seul. Moi, il est seul.
Et si vous regardez, la plupart des fois, ces gens qui ont des problèmes dans le foyer, ces gens qui ont des problèmes au travail, ces gens qui ont des problèmes dans la cité, ils ont des problèmes presque à tout le monde. Parce que il a des problèmes pour le pasteur. Mais non avec le pasteur, parce que c'est par lui que mes bénédictions viennent. Dis Amen. La tête pour qu'il prie pour toi. Amen. Le Saint-Esprit qui connaît ton cœur. Le pasteur va prier au Dieu, bénis mon frère. Le Saint-Esprit changera ses bénédictions en une malédiction. C'est pourquoi votre état sera pire. Deux pays se combattaient, l'Allemagne avec la Suisse.
Dans le camp de Suisse, il y avait un militaire chrétien. Et l'autre temps, il y avait aussi un militaire chrétien. Ils se sont retrouvés dans le champ de bataille. Et l'un d'entre eux était en train de prier. L'un d'entre eux était en prière. Et Frère Banam dit, pendant qu'il venait se chercher, donc il a repéré un qui a déposé l'arme, il a levé les mains. C'était le temps de la prière, chef de prière, il est en train de prier. C'est lui qui venait pour chercher l'ennemi. Il a vu son frère avec l'arme à terre, il a levé les mains en train de prier. Lui aussi, il est venu là-bas, alors qu'ils sont des adversaires. Il a déposé aussi son arme. Yes. Il s'est agenouillé à côté de son frère. Ils ont prié. Quand ils ont fini la prière, ils se réveillent. Ils sont tous émus différents des deux pays. L'autre a posé la question à son ami : toi, chrétien ? Lui a dit : oui, moi, chrétien. L'autre s'est dit : moi aussi, chrétien. Ils se sont prêts. Il a dit à son frère, il a dit par contre ça. Il a dit par contre ça. Va contre ça. L'autre va dire à l'autre, il a dit par contre ça. Il a dit par contre ça. Sinon, on va dire. Maman, ma papa, si on a sa confiance, sur la paix. On se verra aussi. Yes. Il faut pas. Amen. Oh, frère. Pourquoi? Nous qui pouvons. Non, ça va. Léa, la marie. Ça va, mère. Ça va, marie. Mon fils, chasserait m'a chanté ça. Moi, mais je dois aussi que tout le monde me tue. Et pourtant, ça va être diamant. Mais pourquoi y a-t-il des problèmes dans nos églises? Là, c'est bien, c'est ça, c'est ma mère. Une même église. Église, hein, non? Mais on est celui-ci, et pour là, l'autre ici, est pour ci. Vous savez? Parce que les gens n'ont pas la révélation de qui est Dieu. La division ne viendra pas du passé dans ces mots. Non. C'est pourquoi toutes les personnes qui se cherchent un petit morceau de bois, il y a de le jouer comme le singe. Attends, je ne vous déterrai pas. Si je ne vous attire pas, la planche va casser, tu vas mourir. Je te prends, je t'en prends dans le temps et je coupe l'arbre. Moi, toi, tu m'as ouvert. Je t'attends pour moi aussi. Tu m'as tiré dans l'eau comme tu es. Je t'en prie, la planche, la voiture de la petite sorte comme ça, et couper, tu vas plus jouer avec la parole. On t'a envoyé la petite arbre, on t'a envoyé la petite arbre, on t'a envoyé la petite arbre. Alléluia. Nous avons les chrétiens de Béry. Amen, la petite arbre. Chapitre 2, premier verset. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse.
Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Les Éphésiens éprouvaient les apôtres. Va tester les apôtres par rapport à l'enseignement de Paul. On sait ici, on est ici. Si ça ne t'appelait pas, si t'as l'air qu'elle est, ce sont des menteurs. On a l'air de qui? Je veux que t'appelles. La chose, je crois, c'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé. Quand j'étais ici, il dit dans mon cœur, tu as oublié une partie. Nous, on va dire, on va dire. Vous n'allez pas croire, c'est vrai. Il n'a pas dit quelque chose, mais il est parti de ta prédication. Et je remercie parce que je vais en parler. C'est une statue de la récompense de l'écobite. Je te remercie au Saint-Esprit. Je l'ai consacré au Seigneur. Je l'ai blindé.
Mais vous êtes maman, vous allez voir. J'appelle ça des prières humaines. La prière m'a aimé. De piège, je suis le piège au bout de ces seigneurs. S'il passe par sous la forme de ton gré, la tue. S'il vient comme une chose, tu bombardes. S'il vient comme ceci, tu fais plus. Un jour le frère en train de dormir. Tout mon frère dit alors. Paf. Il voit son père qui arrive. Donc le père d'aide. Pour le tuer. Bonsoir, vous m'avez. Une main de feu est sortie. Où on va? Autour. Voilà, tu ne coupes pas. Voyons. La vie son père pour le. Les mêmes matières, vous êtes. Au soir, les tiens, c'est le papa qui a fait le téléphone. Amen. Quand est-ce que ah, mon fils. Ah, madame. Là, je suis en train de mourir. Mais pour y aller, j'ai touché au Dieu d'un pasteur qu'on appelle Monseigneur. Un pasteur, un pasteur, un pasteur. Et au moment où je parle, il est mort. Il y a des gens qui sont venus sur la terre pour tenir le flambeau. Dieu fera grâce. Il n'y a pas de malentendu. Il ne serait venu pas gentil. Je pense que ceux qui regardent YouTube des différents, vous appuyez, vous verrez toutes les vidéos de prédication et tous les témoins qui sont là-bas. Cette sœur est venue, on l'a fait Satan à vie. Ok, c'est ma maman, ma soeur, vous voyez, si vous avez vu les sorciers sont mauvais. Oui. Après mon enseignement, nous avons décrété une opération contre les sorciers. Oui. Tout le monde qui la serve, oui. C'est la tante. Mariage bloqué. Oui. Travail bloqué. Oui. La vie bloquée. Oui. Et toi, c'est la prostitution qui amène l'argent. La sœur était dans beaucoup les églises, dans l'église, vos églises de l'Alliance et le Tabernacle, pourquoi je ne sais pas l'Alliance. Il n'y a pas la parole du Dieu à la fin sur les prophéties. La prophétie ne vous changera pas. Elle a fini toutes les églises. C'est la même façon dans l'église, elle sort. Il est tombé au Père Évangile. Donc, c'est Père Évangile. Quand je fais la ligne de prière sur la démonologie. Mais ça, on va prier. Oui. On va prier. La tante a parlé. Tu vois, quand je fais ça, je m'en vais, je dis tu vas où? Je me tourne à l'embarras. J'ai dit vous tournez pour toujours. Allez, promets-moi que tu me feras. Oh, je ne deviendrai plus haut. Parce que ce sont des aventuriers, des menteurs. Parti après 4 jours, il est revenu. Je dis la madame, il est sale de voir. Après la prédication, pas fils s'est manifesté. J'ai dit qui est dedans. Amen. Tu me connais, non? Tu vas voir, mais. Moi, je t'ai vu, Mais tu m'avais chassé à Pointe-Gentil, non? On va à tout, moi, Pointe-Gentil. Mais je vais dire, tu m'avais promis que tu ne reviendrais plus. Mais on va à Pointe-Gentil, je suis revenu. J'ai combien d'affaires? Comment? De boule. Coup de téléphone. Mais tu es là, vous avez. J'ai dit, bon, d'accord, écoutez-moi bien. Maintenant, il va me faire. Qui choisit? Au soir, tu sors, mais tu meurs. Je vous dis la vérité, on est dimanche aujourd'hui. Tu es moi seulement. Je ne sors pas, je veux que tu me tues. J'ai dit, ah, mais je dis, mais tu es déjà mort. Comment je fais que tu suis, tu es déjà mort là? Voilà, mais comment tu es mes témoins. On est dimanche. Salut dimanche. Quand j'ai fait la défense sur la scène. Maintenant, la sœur sera rendue une chair humaine. Donc, nous, 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 n
Un dimanche. Un dimanche. La capture la chaîne appelle avec toi. Donne-nous une info. Le lundi. Autant lundi. Ça va l'appel. Voilà le tour. Votre temps est à l'hôpital chez elle. Ville, tu as donc à l'hôpital chez elle. C'est bien, monsieur. Vous nous voyez. Venez vite. La semaine dernière, je ne reviens pas. Le mardi, c'est pour vous dire de vous attacher au don que Dieu vous révèle. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Un parent n'a pas dit d'être derrière les jeunes de l'Église à 100%. Ou derrière le ministre. Un parent n'a pas dit d'être derrière le diacre, derrière le pasteur associé à 100%. Soyez derrière le pasteur. Et comme la pasteur, je t'entends dans l'église de dire 100% derrière le pasteur. D'écouter l'enseignement qu'il leur a donné. Proverbe 7:1 à 21, Salomon dit à son peuple d'être attentif à mes instructions. Proverbe 7:1 et 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. L'apôtre Paul dit. Même si vous avez 1000 mètres en Christ, même si vous n'avez pas, cependant vous n'avez pas pris de père. Et vous n'avez qu'un seul père. Et c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. C'est le pasteur qui établit les autres offices. C'est pourquoi je vous rappelle, Dieu appelle un homme et l'homme établit les hommes. Ça va vous scandaliser là. Je te dis le dernier mot avant de terminer. Pasteur, pasteur associé, tout le monde, vous êtes les serviteurs du pasteur. Et le pasteur est le serviteur de Dieu. Serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort.
Enlève-toi pas ce journée, toi et tout ce peuple. Now entrer dans le pays que je donne aux fils aux enfants d'Israël. Géasi était serviteur d'Élie. Élisée était serviteur. Élisée qui était Élie. C'est vrai. Vous savez, avant qu'Élisée ne devienne serviteur d'Élie, c'était Géasi. Avant qu'Élisée devienne Élie, Géasi a ruiné son ministère à cause de l'envie sur les biens matériels. À chaque matin, dans l'Ancien Testament, Dieu appelle un homme et Dieu prend un autre homme, devient le serviteur de celui-là. Celui-là sert Dieu et lui la sert l'homme. Et lorsque Dieu retire son serviteur, c'est celui qui a servi le serviteur qui le remplace. C'est pourquoi votre position en Christ de demain dépend de ce qu'on fait de moi. Si vous croyez à cela, dites amen. J'allais dire quelque chose. Je ne veux pas que les jeunes ministres ou bien les ministres me comprennent mal. Mais je dois dire ça parce que c'est la doctrine. Vraiment, premier mot là, je vais terminer, les 27 ans. Prenez-moi les bagages, sinon je vais juste continuer. Vraiment, bien dans la bouche, question de réponse du 12 janvier 61. Au paragraphe 479. Paragraphe 479. Comment l'a-t-il? Eh bien, vous vous souvenez. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit dimanche dernier? Si vous êtes prédicateur, si t'es au timbal, trouvez-vous une chair. Les gars, ça, et bien, mbala. Je n'attendais pas que Baruch, mon père,
me crée l'église pour que je vienne prêcher. J'ai montré de quoi je suis capable. Et vous êtes là. Et vous ne pouvez pas commencer une église par une bébé que vous avez soutiré d'une église. C'est une division. L'église commence par l'évangélisation. Ministre, il se détache de nous. Il influence un couple de frères et de sœurs. Pour aller commencer l'église quelque part, il est dans le faux. Et vous ne pouvez pas le soutenir. Si vous le soutenez, un peu de moyens qui travaillent. Oui. Le ministre va s'habituer avec toi sous forme de communion. Et il est en train de chercher à vous attirer ou bien à vous mettre en confiance. Et vous en avez parlé, il va commencer petit à petit. Vous savez, moi j'ai un grand don, mais le pasteur nous sommes donné par la chair. Hein. Et donc vous savez, moi je ne peux pas rester comme ça. Frère Barabé, ne restez pas assis, va prêcher. Ne comptez pas sur le prévu de l'évangile pour vous soutenir quelque part. Et je crois que vous êtes l'héritier. Yes. Écoute les paroles de l'Esprit de Seigneur. Dis quand même. Il écoute quoi? C'est que son père, son grand-père, soyez bénis. Que tous les rétablis soient bénis au nom de Jésus. Amener quelqu'un, tu as tiré quelqu'un, qu'il vient d'écouter, qu'est-ce que le récap a dit à Jonabas? Ah, le récap a dit à Jonabas. Shalom et que la paix de Dieu nous accompagne. Yes, sir. Mesdames et messieurs, Fabrice. Frère Chris va chanter, le Christ va prier. Frère Chris va chanter, le Christ est bon. Et le frère Franel va prier. Écoute.